Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici dans le garage et comme vous le voyez, j'ai gagné une enchère hier soir. Le BZ72E, là, sur mon deuxième compte. Du coup, j'ai claqué, je vous le cache pas, 29 000 gold environ, 29 200 ou 29 700, quelque chose comme ça exactement. Voilà, pour être sûr de l'avoir, j'ai claqué un peu plus que la moyenne affichée là sur le jeu. Voilà, on va le tester tout de suite. Je l'ai déjà équipé, comme vous le voyez, j'ai mis un équipage. Bon, j'ai pas trop de compétences là en chinois sur ce compte, mais bon, voyons ce qu'on peut faire de beau avec ce nouveau jouet qui m'a coûté quand même cher là. Finalement, presque 100 balles, quoi, finalement, que ça vaut. Bon, ça valait moins parce que c'était des golds de Noël, quoi, donc, mais voilà, finalement, avec le prix actuel des golds, ça vaut presque 100 €, quoi. Donc, voyons s'il vaut la peine ou pas. Là, il y en a que deux. Il y en a deux en face, il y en a deux chez nous. Très bien, très bien. Attention, il y a quand même un tourello, là, l'air de rien. Attention à ça. Voilà, voyons ce qu'il vaut. Oh, bataille aléatoire, du coup. J'espère faire une bonne partie. Il y a du 1305, il y a du Manticore, mais ça nous regarde pas trop. Attention, il y a du 279, 60 TP. Je sais pas trop comment il se perce ni quoi que ce soit. Apparemment, il est assez lent. D'après les stats, tout simplement. 12 secondes 38 de reload avec fouloir éventé, les frères d'armes. J'ai pas mis les rations, j'ai pas mis les rations. C'est quoi les, le riz là, ou je ne sais quoi, en chinois. Bref. C'est pas le riz, je sais plus, bah bref, c'est pas grave. Alors, 12 secondes 38, ok, ça c'est fait. Il se traîne un peu à première vue. Comparé au VZ par exemple, ou même l'IS-7 qui va certainement nous passer devant aussi. Je sais pas, il ne vient pas l'IS-7, non? Non, bon. Il reste T2 chez nous aussi. Ah, là-bas, le 13, non. J'ai envie de voir son canon en action, là. Ah, voilà, l'IS-7 qui nous passe devant. Ah oui, mais j'ai les boosts, c'est vrai, j'ai les boosts. J'avais oublié ce détail. On va essayer de passer là. Ah, il est bien maniable par contre avec les boosts. Ça c'est intéressant, l'air de rien. Et là-bas, on a Zozo. Ça part, dommage, ça part pas droit. Laisse-moi une petite place, le VZ, s'il te plaît. Merde, pardon, pardon, my bad. Ouais, désolé. Je vais me dire merci, lui. Il y a tout qui rentre apparemment. Qu'est-ce que ça dit là? Ça rentre aussi, merveilleux, mais j'ai pris cher déjà un petit peu là. J'ai déjà pris un peu cher, je vais mettre la gold parce qu'il y a 279 là. Qui fait son défilement. Apparemment j'ai quand même un gros tourello là. Gros tourello un peu gênant. Merde. J'ai pas tout simplement la hauteur de canon. Très bien. Alors le. Merde, ça rentre pas. Ok, ça va. Ça bounce quand même. Ça fait bounce un peu, l'air de rien. Ça fait pas mal bones pour le coup. Donc, ce qu'on peut faire là, peut-être sur lui, là, le BZ là-bas. Merde, ça rentre pas. Ça rentre pas, ça rentre pas. Pas foufou jusque-là, à première vue. Pas foufou la partie. Attention ici, on va essayer d'éviter lui et on va essayer de le shooter. Voilà, ça rentre. Mais j'en prends aussi plein les dents, plein les dents, plein les dents. J'en prends plein les dents. Finalement, le 279 là, il se fait plaisir dans mon flanc de tourelle. Il n'y a plus personne, hein, plus de clients, les gars. Non, ça rentre pas. J'ai essayé le fast tourelle. Je suis un peu à poil là. À poil à poil. Et je sais pas d'où j'ai pris mes tirs, mais ça m'a pas l'air foufou jusque-là. Lui va essayer de me sortir. Ok, ça rentre. Merveilleux. J'ai pas compris. Il y a eu un petit lag là, apparemment. Je sais pas si son tir est arrivé. Enfin, je sais pas. Ce qui m'a tiré dessus, le WZ. Non, même pas. Je mets des bons alphas. Ça, c'est intéressant quand même. Voyons ici, lui. Et ça, il est bizarre le canon, le comportement du canon, là, je trouve. Il est un peu bizarre. Bon, alors ici, est-ce que je suis tout seul? Attention à lui, là. Attention à lui. Moi, je suis à poil un peu, les gars. Ok, lui, il avance par là. Là, il y a l'IS-7. Lui, il fonce avec ses fusées dessus. Est-ce qu'il reste quelqu'un ici? Ah, il y a la V, là, qui me fait un coucou. Merde. Coucou, 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 ouais, coucou. Avec sa hache, 2300 dégâts, c'est correct, sans plus, pour une première bataille. J'ai quand même fait bounce 2420, donc ça, c'est pas mal. À première vue, ouais, il a l'air sympa, même si là, c'était full tier 10, faudrait le voir face à du 8 aussi. J'ai pas regardé où ils m'ont percé, j'ai pas pris le temps de regarder. Ils m'ont tapé pas mal dans le tourello. J'espère qu'ils m'ont pas trop tapé bas de caisse, quand même, enfin, haute caisse, pour le coup.
Parce que sinon, c'est vraiment pas terrible s'ils ont fait ça. Après, enfin, pas s'ils ont fait ça, pas de leur part, quoi. C'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, s'il se fait percer le haut de caisse, c'est pas foufou. Il a pas un super blindage haut de caisse, mais enfin, normalement, il est assez anglais que pour faire bounce. Après, ce qu'ils m'ont eu pendant que je me relevais là, pendant que je levais ma caisse pour me mettre en place, ça se peut aussi, j'ai pas trop fait gaffe. Ah. IS-7 s'est crashé, tant mieux, c'est 9 à 5 avec tout ça, il était full le petit IS-7. Ouais, ça va, ça devrait être gagné. On va relancer une dans la foulée. J'arrive. Hop, hop, hop. Petite cigarette pour attendre le char, évidemment, vous connaissez. On attend qu'il revienne au garage. Il a quand même fait 4 kills. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils ont peut-être pas tort de capturer là, pour le coup. Ça se passe moyen, moyen. Il reste des lourds, attention à ça. Il reste pas mal de lourds. Le Progetto, qu'est-ce qu'il peut faire de beau là sur le flanc? Il prend des baffes, il prend des baffes. Attention à lui. Voilà, là, il a fait un... La EV, la courfe, il fait un kill là. Alors la cape, on va la gagner par la cape. Même si on mène au poids de vie, on a deux zozos. Full vie quasiment qui cap là, qu'est-ce qu'il fait lui? Vas-y, as fini le bien joué. Ça, attention à la FV. Non, ça va, ils sont un peu bloqués. Le 60 TP, il venait pas du tout vers la cape. Ça va, on va la gagner par la cape. Ah, le Progetto, il bouge. Progetto qui était sur la cape. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se font des caps en fait. C'est ça l'idée. Le 13, il essaye de foncer sur la FV. Why not? Attention, si elle t'attend, mon lolo. Il y a deux marques, il essaye de faire ses dégâts pour sa troisième marque, lui certainement. Si on va pas se faire one shot là, mon ami. Il n'ose pas trop y aller, il n'ose pas trop. Il n'a pas tort parce que s'il tombe sur un coucou de la FV là, ça va être chaud. Ils sont partis où là, les FV 60 TP. Je ne sais pas, ça y est, il décide de rush. Ah, ça y est, il l'a trouvé, il va aller lui faire le cul. Certainement, elle était là-bas simplement. Bloqué entre deux maisons. Alors, il l'attend là. Il l'attend, il l'attend. Ouais, il s'en prend dans l'oignon là. Ouais, il s'en prend plein, il s'en prend plein. Attention, 60 TP, ça va, il peut pas le one shot. Il le laisse tomber. Il dit qu'il a pas assez de poids de vie, certainement. Ça y est, c'est gagné là. Il est au cap le 60 TP. Bon, ça devrait le faire. Hein. Le 13, il peut le tanker. Il peut peut-être même le finir avec son barrière. J'ai pas mal fait Boone, je suis assez content de ça. Ah, attention là-bas. Attention là-bas, ça va, il a retiré des caps. Il va peut-être pas pouvoir le finir avec son barillet. Quoique maintenant, oui. C'est quoi qui va te taper là encore? Grunarty. Alors il attend là. Le clic droit. sur tes shoots, non. Dommage, clic droit ouais, dans le floor, ça marche très bien aussi. Voilà, il est mort. Voilà, ça c'est GG. Le 13 pour cette petite marque. GG qui dit GG 60 TP Big Mongolo 2D. Ok, bon. Pas très sympa les mecs là. Si je lisais le chat, c'est pas moi qui dis ça. Bref, petite classe 3 pour bien démarrer. 2300 dégâts, 500 d'assist, pas de kill. Tombé sur la FV qui m'a fait un coucou surprise là. Ça a fait peur, mais ça n'a pas duré longtemps. La peur n'a pas duré. J'ai été apaisé dans la mort, dans la foulée, voilà. Alors on est reparti du coup. On est reparti avec le même char. Bon, j'ai dû golder un peu là. J'ai essayé le fast tourelle du 438, on sait jamais. La gold, si ça passerait. Je sais pas combien il a de peine à la gold, j'ai même pas regardé. On va regarder ça tout de suite. De base, la P, il a 260. C'est assez bien pour un lourd, tier 10. C'est la moyenne haute, disons. Et là, voilà, on va regarder. La hit 320, ça c'est pas si énorme quand même, c'est pas si énorme pour un tier 10. D'ailleurs là je vais peut-être la mettre là vite fait, peut-être la mettre la gold pour aller en ville. Allez, on est parti. 12 secondes, voyons ce qu'on peut faire d'autre avec ce char. Malheureusement pas de tier 8 en face. Est-ce que ça joue beaucoup du 10 ce matin? Je ne sais pas, est-ce qu'ils veulent contrer les BZ, les gens? Ils se disent, ouais, il y en a qui ont le BZ, ben moi je vais le farmer, le BZ. Je vais le tuer en chaîne, ça se peut, je ne sais pas. Bon, alors ça joue tier 10 comme d'hab, quoi, tout simplement. Parce que prendre la cible non plus, là, non plus.
Tout va là, faut pas se victimiser, voilà. Il se tête au milieu. Ah zut, je voulais qu'il soit en ville, lui. Ça, c'était un de ceux qui se percent le plus facilement encore dans le lot. good luck and fun. Ah merde, il se met là, lui. Ah mon ami, bon. Eh bien, mets-toi là, mets-toi là. Tu me regardes, je le regarde, on se regarde. On va attendre ici, hein, tant pis, pas trop le choix. La vie, je sais pas ce qu'elle va faire, j'espère qu'elle va pas me gêner. On n'irait pas farmer du médium là un petit peu. Alors qu'est-ce qui va arriver? J'espère pas le JP d'entrée là avec mon premier galet qui dépasse bien. Ça serait moche. Personne, non, personne. Il y a 7 middle, ok. Personne, personne les gars. Bon allez, moi j'avance. On se fait un peu chier là tout de suite. Ah voilà, JP, il me semblait bien, il me semblait bien. Il me semblait bien. Alors qu'est-ce que ça donne? Attention, on va essayer de ne pas la prendre évidemment. Alors de le faire bounce. Ok, il recule. Les maisons vont être détruites là. Alors c'est pas le bon plan d'aller dessus comme ça, Benny. C'est pas le bon plan, on va attendre que les maisons se détruisent. Alors, la V, elle avance aussi, c'est ça. On va prendre la boulette du JP, toi. Ok, alors il y a le trou là maintenant. Le JP, il va s'y engouffrer, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il avance, il va où? Attention, on met Mich là. Ok, il s'y engouffre. On peut essayer d'y aller aussi nous-mêmes là. Il a trois marques de 7-7, intéressant. Attention à mes fesses là. Merde, ça rentre comme ça lui. Bon, attention, le JP là-bas, non, c'est le sort 21. Ouais, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Je vais crever, je vais crever, je vais crever. Non, je vais pas crever. Il va me la coller lui. Ah bah oui, mais c'est ça, mets-moi le feu aussi, je te dirai rien. Ouais, c'est pas terrible à ma partie. On va essayer de focus lui, ça fait un gros trou, ça c'est intéressant. Ouais, le 121B. Pas terrible là, j'aurais pas dû m'engouffrer là-dedans. Je connais pas encore bien cette map quand elle est comme ça. Je pensais pas qu'il serait déjà là, lui et tout. Bon. Voilà. c'est gênant là, c'est un peu gênant. Bon, on va jouer autre chose en attendant. On va jouer autre chose simplement. Hop, hop, hop. On fera une partie après dans la foulée avec celui-là. J'ai un petit goût de trop peu, là, vous en doutez bien. On va jouer ça, tiens, les gens aiment bien ça sur la chaîne ces jours-ci, apparemment. On va jouer le 752 sur avant-poste, très bien, façade du 10 et voilà du 8 là pour le coup. Type 61, ça va, ça se perce facile. C'est du beurre normalement ce char-là. Je peux me rester à la paix, là, vu ce qu'il y a en face. Je peux clairement rester à la paix pour une fois avec ce char-là. C'est pas gênant, même s'il a que 240 de peine, je crois. Là, c'est pas gênant pour le coup. Ça, c'est pas énorme pour un tir 9, 240. Je crois que c'est 240, on va vérifier ça, mais... Je crois que c'est 240 à la paix, le zozo. J'ai mis des grosses trousses parce que j'ai une mission de... Comment ça s'appelle? Académie des blindés là. Académie des blindés, je dois jouer 10 batailles avec grande trousse, grand extracteur et grand kit que j'ai reçu en cadeau dans la mission précédente. C'était combien ça? 240, oui, il me semble bien. 390 d'alpha, voilà. Type ça avec lui, c'est un peu le roi du pétrole ici. Normalement, s'il joue un peu bien. Il n'y a pas d'artiste, je peux peut-être aller essayer de prendre la position dans le creux là. Moi avec le sol, le T22 m'a dit l'IA déjà. Peut-être pu essayer de l'avoir, le T22 mène, mais bon, je veux pas tous les avoir non plus. Comme aujourd'hui, là, le TD tier 8, je joue très peu tier 8, donc je vais pas enchérir dessus, je crois. J'ai assez cramé mes golds là tout de suite, et j'ai pas de crédit, si même c'est en crédit, donc ça c'est réglé. J'ai pas envie de convertir des golds là, il va me falloir une tripotée de golds là pour y arriver. Et voilà quoi, je rentabiliserai jamais, quoi qu'il arrive. Le VK là-bas, très bien. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il avance par ici? Il est où? Il est juste là? Non, il est caché. Vas-y, j'avance, moi, j'avance. Même pas peur, même pas peur. Alors, on avance ici, avec le type 4, type 5 même. On avance, on avance. Attention à ne pas se faire enfermer. Non, ça devrait aller. Type 61, il a l'air d'être en haut avec le Caliban. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut les flanquer, là, vite fait? Attention, s'ils retournent tous sur moi. Ah, lui, il est là-bas.
Très bien. Est-ce que ça perce là? Non. Ça aurait pu percer, ça aurait pu. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va pas faire? Le zozo. Et là, ça pousse. Type sec qui prend des bas. Ok, là, il fait un truc. Et juste la traque, malheureusement. Ça rentre. Ça rentre pas, dommage. J'aurais peut-être dû taper dans le bas de caisse, mais j'avais l'impression que j'aurais eu le galet là. C'est peut-être qu'une impression. Maintenant, j'ai assez longtemps de reload. J'ai fait la track, il a pris à 814 apparemment du 2-6 8-5 là. Certainement. On va essayer de le finir. Le type ça qui fonce dans le tas, il a pas tort, il est bien plus blindé. Vas-y, moi je fonce aussi. Le 50 là, lui, on va essayer de le finir gentiment. Alors, vas-y, lui, il est mort. Parfait. Le Caliban maintenant. Cher futur, il est sur lui. Caliban, ça se clique droit, facile. Voilà, ça c'est mort. Voilà, le 50 là-haut peut-être. Ah bon, on ne sait jamais s'il y a TD sur la droite là-bas. Est-ce qu'on a là E50 ou pas? Alors, est-ce qu'ils ont pris le milieu? Apparemment, non. Ils n'ont pas pris en plein milieu là. Le château, espèce de château. Attention ici sur ma droite. J'ai que deux obus par contre, c'est un peu embêtant ça. Ici sur ma droite, il n'y a rien. Apparemment, T32 là-haut. Très bien, on va aller au corps à corps de lui là. Capesa, tous les Théo, ils sont certainement au coin des TD de l'autre côté. Ce que ça dit là, T32, on peut lui arriver dessus. C'est un petit tier 8. J'aurais dû recharger mes obus là tout de suite, je pensais. Je me dis, si on a de l'autre côté, bon, on verra. Alors ici, lui, on va prendre deux, hop là une. Il va me la rentrer, c'est pas grave. Hop là deux, je le détruis, parfait, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Il a pris cher en 2 secondes, lui. Vu qu'il, on a vu qu'il a perdu tous ses points de vie d'un coup. De toute façon, ici, au TD, là, en déboulant là. On va se cacher là 2 secondes. Le temps de reload, encore quelques secondes. Ok, le STB, il est là-haut. Attention à lui. Ok, je suis pas proxy normalement là, pas encore. Ah si, ça y est, je suis proxy. Attention au TD juste en face. Ouais, ça y est, je prends la grille. Je prends le E50. Je prends le scorpion. Bon, très bien, je suis en slip, ça va, calmez-vous les gars, j'ai compris, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est 5 à 6, c'est pas gagné, honnêtement. Alors, attention au STB, là aussi. Est-ce qu'on aurait quelqu'un ici, là, chez eux? C'est un peu chaud, le guard là-bas, non? Attention, ah ouais, STB, j'en étais sûr de celui-là. L'autre, il s'est fait one shot, le Shrek, là. Merde, il m'a fait le tireur, ah, purée. Il m'a fait le tireur, le zozo. Je me disais aussi que j'avais un gros réticule. On va essayer de le track. Allez, ouais, c'est ça. Bounce moi. Voilà, retrack. Je vais essayer de m'enfler là. Progetto, est-ce qu'il peut m'appuyer? Et ça bounce, ça c'est moche. Ça. Allez, Progetto, là, tire-lui dessus. Fais quelque chose. Il va me rentrer pour finir. Il est à la hit en plus. J'ai de la chance là. Je suis juste bien oblé. Je vais rester comme ça. Je vais essayer de m'achever. Attention à mon cul. Merde, eh ben, il m'a finalement eu. Pas si teuteux le mec. 6 à 8, qu'est-ce que ça dit? Ouais, on tient un peu chez eux là. Progetto, il peut encore retenir ceux de l'autre côté. Nomade là-bas, ouais, là j'ai pris cher par leur TD, ça cap encore une fois. Pourquoi pas, pourquoi pas. Progetto, il en a deux à retenir là. Ah, ça y est, ça cap aussi. Vas-y, le prog, recharge tes obus, tranquillou. Oh là là, le 121 dans les fesses. Oh, le petit alpha, oh la loose. Petit alpha, oh la poisse, ça, il a plus d'obus. Ne me dis pas qu'il a déjà. Ouais, il a peut-être plus d'obus là, clairement. Ça, c'est assez moche. Ils sont deux sur cap. Ils vont essayer d'y rester, peut-être. Ils se cachent l'un derrière l'autre, certainement. Attends, recherche tes obus, tranquillou, toi. Recherche tes obus là, tes 55A. Ouais, décap, bien joué. Attention, on se fait décaper aussi là, gentiment. Progetto. Et par Sachni qui était juste abîmé pourtant. Allez, il faut qu'il aille faire la diff là. Bon, c'est pas grave, on va laisser tomber cette partie. Je sais pas si c'est gagné ou pas, franchement, j'en sais trop rien. C'est assez tendu. Mais voilà quoi. Alors, il est revenu, notre BZ. On gagne tout avec le BZ, ça c'est l'avantage. Pour l'instant, il est là-bas. Regardez ce qu'on a fait quand même, mais pas grand-chose. Non, 1223. On va pas appliquer le bonus là tout de suite. J'essaie de jouer un peu mieux là pour le coup. J'ai même pas vu combien j'ai fait de dégâts en 7-5-2, mais c'était pas une terrible game. Je suis encore mal réveillé là. C'est le premier café de la journée, etc. Donc là voilà, ça peut être intéressant. Du tier 9, il y a BZ 72 en face, un IS-7, un VZ 55. De toute façon, j'ai l'impression qu'il est un peu quand même en mousse vite fait quand même, mon char là.
Un peu, moi aussi, la moins 8 de dépression. Est-ce que je vais jouer à droite? Ou est-ce que je vais jouer en ville? Ah, vous savez quoi? Je vais aller jouer à droite. Je le sens mieux. Je le sens mieux. 50 TP, tout ça, tout ça. Ouais, bon, on verra. Qu'est-ce qu'on a, nous? BZ 68. On a un lourd de moins. On a un lourd tir 10 de plus, en fait. Ok, j'avais pas vu le T57. On va aller jouer par là. Allez, les fusées, déjà. Les fusées qui compensent la vitesse assez faible là pour le coup. Et attention qu'il y a deux lights. Qu'est-ce que ça dit? J'espère que je pars pas tout seul. Non, ça va. On a trois lourds là. C'est peut-être beaucoup ça par contre. Ça va. On a un JP qui va prendre la place d'un lourd en ville peut-être. Et c'est à peu près tout le 60 TP. Le BZ 75 semble AFK. Ouais, bon, j'aurais peut-être dû aller en ville. Je sais pas trop. Alors le BZ 68, j'espère qu'il va pas s'arrêter là. Non, il est en train de sniper le BR simplement. Très bien, très bien. On ne voit plus le BR. Le Zobier. On va passer par en bas là tout de suite. C'est plus. Ah là-bas, BR. Attendez, attends, attends. Attends, mon petit lapin. Bon, on passe par en haut du coup. Là, il est derrière la maison. Le BZ, il le snipe. Ah là, peut-être. Non. On va essayer de pas tomber du pont. Ah non, il est derrière le truc. Ok, il a pris l'artie. Très bien. On va claquer les fusées là, histoire de ne pas se faire surprendre par en face. BZ 72. Ok, il a la même idée que moi en face. Il a déjà pris une boulette de Ludez, parfait. Parfait, parfait. Là, on est un peu à l'abri. Attention qu'il y a deux artis malgré tout. Essayez de pas faire trop de la merde là, tout de suite. Les 57, tu pourrais venir un peu mieux là, un peu plus vers nous là, plutôt que de rester en snipe là. C'est pas très opti ça, mon ami. C'est pas très opti pour le coup. Le BZ, est-ce qu'il est tout seul là? Je vais claquer des fusées là, tout de suite. Voyons ce qu'on peut faire là. Deep 68, très bien. Il me spot là, où est-ce qu'il est? Merde, il fallait le tenter. Moi je dis EBR qui essaye de me shoot. Attention, 121B sur le flot. Attention à l'artiste. 121B, il est revenu là. Très bien, très bien. Alors ici, tout de suite, est-ce qu'on pourrait avoir des zozos? Lui, par exemple, qui a l'air bien mis là. Si on a la dépression, j'ai spot un truc. Ok, ça rentre pas, malheureusement, dans son char en mousse. On fait le pilote. Décidément, je prends les. Pour les petits bonhommes là, ces temps-ci. Alors lui, il est juste là avec sa tourelle de flot. Il y a lui là-bas. Et ça rentre. Ça m'a l'air pas trop mal parti. 121B sur le flot. Attention à lui quand même. On va essayer de se trouver un peu de dépression là. Allez, là ils vont arriver. J'espère les alliés. Lui il recule. Ah, pas encore le 121. Ok, il me la rentre. Je lui rentre aussi. C'est pas très très rentable. Attention à l'artie là où je suis. Je sais qu'elles aiment bien tirer là. On voit pas. Ah si, ça y est, on voit le 121. On voit le 121. On va le faire reculer peut-être. Non? Est-ce que ça dit lui peut-être là à finir? Voilà, ça c'est fini, parfait. BZ qui me la colle encore. Pas de soucis, pas de soucis. Alors le 121 il recule un peu. Il va recharger en même temps que moi. Il met ses boosts là. Je sais pas ce qu'il fait avec ses boosts. Ok, ça rentre dans le flot de tourelle, c'est merveilleux. Jusque là, ça se passe pas trop mal. Attention, le 121 qui est toujours là. Le BZ 75, il va peut-être le finir. Lui, sinon je le finis moi. Voilà, ça c'est fait. 121, ils reculent. Parfait. Attention, du coup, ils ont pris l'autre côté, leur lourd, etc. Là. Attention, s'il reste une FV là qui sniperait. Il y a l'artie en tout cas qui snipe. Lui là-bas, il essaye d'aller se planquer derrière la maison. Ok, c'est ça, recule par là. Tu me vois même pas comme ça. Voilà, ça c'est la traque dans les fesses. On va essayer de le maintenir spot. Pour les collègues. Voilà, c'est bien les gars, c'est bien. J'ai pris l'assist en effet. Enfin, une partie en tout cas. Très bien. 2700 dégâts, 2 kills. Est-ce qu'on back en def là tout de suite? Le K91, il s'est certainement mis en def chez eux. Ouais, on va backer là. Il est temps de backer. Vas-y, moi je back. Je mets encore les fusées du coup. J'aurais pu les mettre dans la montée. C'est pas bien grave. Standard B là-bas. Non, on n'allait peut-être pas par là, les gars. Ludes. Enfin, Ludes, il lui reste de la vie. Mais tu risques de te faire flanquer de tous les coins par le 50 TP, etc. là. Pas si c'est le bon plan là tout de suite ça ce que tu fais là. Alors Léopard là-bas, très bien, très bien. Est-ce qu'on peut lui faire le flanc là tout de suite? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est pas? Non, on n'a pas. Apparemment, il est mort. Très bien. Attention à le BR s'il me spot. Là, je suis un peu au milieu de nulle part. Attention à la FV, etc. qui n'a pas encore été spot. Ok, là-bas, il y a un truc, le petit BR justement. On n'a pas malheureusement 60 TP dans le trou là-bas. On peut
rester un peu ici, là tout de suite, il y a 91 qui est spot là-bas. On n'a pas, lui, le BR qui va vers le trou. Ah merde, il a fait une manœuvre, zut. Je l'ai vu trop tard, 50 TP là-haut. Non, lui, on n'a pas. Il est où, lui? On va la voir là. Ouais, voilà, là-haut, là. Gentiment, il proche, shoot de flanc. J'espère que c'est rentré. Oui, c'est rentré, malgré qu'il était loin. Ok, 60 TP, s'est fait enfler par l'artiste. Ça, c'est pas bon, par contre. Ça, c'est pas bon, le BR là-bas. Il faut aller le chercher, sinon il va nous spotter. On va jamais le voir. Là, il y a un tir qui vient de partir. On le voit plus déjà, malheureusement. Il va nous spotter pour ses loups. Alors, il est juste là. Très bien, très bien. Il est où? Il est où? Il est juste là. Merde, il est dans le creux là. Tout d'un coup, ça partait droit, mais c'était trop haut. Ne sois pas être spot. On a quand même l'avantage, je pense, au poids de vie. Peut-être s'ils sont un peu entamés, leur IS-7 et leur VZ. Je prends l'arty, pas de souci. On est un peu en PLS là, tout de suite, malgré tout. Le VZ, il a pas tort d'aller là-bas, je pense. Alors, VZ et IS-7, où est-ce qu'il est le BR? Attention à pas prendre la foudre. 3200 dégâts, ça c'est une bonne game déjà, plutôt réussi. J'ai enfoncé mon flanc, ensuite back en dev, voilà, vous avez vu quoi. Enfin, enfoncé mon flanc, pas vraiment jusqu'au bout. On peut pas trop se permettre, évidemment, ils sont en cap là. Est-ce que c'est l'EBR? Lui, il va spotter. Il doit être là-bas, EBR là. Ah, ce serait bien de l'enfler. IS-7 sur la cap. Il est juste là, bah, ça passe, merveilleux. J'ai pas pris de tir finalement, le BR m'a juste fait la traque. 3800 dégâts. On va essayer d'en recoller une à l'IS-7 rapidement. Il est juste là. Je suis peut-être à la gold là, j'en sais trop rien. Ok, ça rentre encore. Je suis pas à la gold, tiens. Je suis pas à la gold. On farm un peu de l'IS-7 là qui était finalement full life. Il va se cacher là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une belle boulette. Alors le BR là, ce serait bien de se le faire. Un petit morceau. Ah merde, j'aurais dû attendre de plus réticule là. C'était chaud, c'était chaud. Je me dis s'il bouge là, s'il prend peur le zozo. Mais non, il n'a pas pris peur. BZ, très bien, très bien. Est-ce qu'il fait le BZ K91 juste là, la V de l'autre côté. K91 juste là-bas. Ok, ça rentre. Merveilleux, attention à l'EBR et au VZ. Très bien, très bien. La FV là-bas, ça c'est pas la même limonade. Pas la même limonade, l'AFV là-bas par contre, et le standard B, je sais pas où il est. On va quand même essayer de finir. Attention à l'AFV là. 4-5 000 dégâts, ça c'est propre par contre. Essayer de finir. Ah là-bas, AFV, AFV. Attention à toi, le T57. Ok, le standard il est là-bas. Et ça rentre. Faut essayer de les retenir ici, là au maximum. L'AFV, est-ce qu'elle va monter? Ça y est, je suis spot moi là. La V, elle a l'air de monter par là, ce serait bien de l'enfler les gars. Faut la spotter par contre pour ça. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pas? Je suis plus spot normalement. La V, je ne la vois pas, ça fait un peu peur. Si elle me tire dessus, ce sera trop tard après. Quand je serai spot, il reste le VZ encore. C'est un poil chaud, c'est un poil chaud. On peut peut-être jouer de la tourelle malgré tout. J'aimerais spotter la V là pour le coup. C'est carrément chaud, on n'a plus grand chose. Le BZ68, il peut tanker la V. Elle me spot pas, elle me spot pas, la lolotte. Je pense pas que je sois spot là tout de suite. On a un peu pris en tenaille là. Si le BZ décide de débouler, ce sera la merde. 5600 dégâts, 2 kills. Si je continue comme ça peut être la master. Gentiment, j'en sais trop rien. Il vient de sortir le jouet là. Je ne vais pas prendre la V dans le tourello. Là, on n'y voit rien. On n'y voit rien du tout. Il me reste une fusée. Il y a 91, il est certainement encore dans le trou. Allez, le BZ68, c'est à toi d'aller tanker la V là pour le coup. Ok, je suis spot. Attention à moi là. Attention à moi, j'ai peut-être le BR derrière moi. Je sais pas. UDS, il fonce là-bas. Attention, il reste une arty encore. Ouais, il tire là-bas. BZ, un standard B là-bas, ce serait bien de lui en coller là tout de suite. Est-ce qu'on arrive à spotter la V ou pas du tout? Elle est là-bas, elle est là-bas, la lolotte. Ok, elle est reculée là-bas. Moi j'avance du coup. K91 derrière, pas de souci, pas de souci. VZ, je sais pas où il est, j'espère qu'il est pas sur mon flanc gauche là tout de suite. On va essayer de les. Ah, j'ai pris un shoot, très bien, il y en a qui vient de mourir.
Elle est tournée là-bas. On va essayer de se l'enfler. Ok, là on est bien, on est pas mal là. On est pas mal en termes de dégâts et en termes de. C'est une bonne position, ça, assez fumé. Merde, je prends le BR dans les fesses. Faut que je finisse la V. Faut que je la finisse. Voilà, ça c'est fait, c'est déjà pas mal. Attention à le BR, il va essayer de me recoller. La merde, j'ai plus de boost là. Ok, très bien, ça fait bounce. Les Z55 là-bas au bout. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pas? J'ai envie d'aller chercher l'artie, la limite 6300 dégâts. Elle nous embêtera plus comme ça. Moi, je vais chercher l'artie, les gars. Je pourrais aller sur le VZ, mais bon, je pense qu'ils sont assez nombreux pour se le faire. Là, il leur défilement de tourelle. Je peux plus trop rien tanker. Je vais aller chercher l'artie. Attention à l'EBR quand même. Je sais pas où il est. L'artie, elle est peut-être en train de back vers la ville. Je ne sais pas. Moi, je vais la chercher gentiment. Il me reste une AP. 6300 dégâts, ça c'est une propre partie, l'air de rien. J'ai fait largement mon job. Comme tous les survivors avec moi là, je crois. Voyons si on trouve l'artie facilement ou pas. On va essayer de l'enfermer. On va essayer de l'enfermer. Elle est où? Elle est où? Elle est où, les gars? Dites-moi où elle est. Qu'est-ce qui reste? J'ai presque envie de taper de la hache. J'ose pas trop y aller chez nous. J'ai plus mes boosts, malheureusement. Attention à l'EBR, je sais pas où il est, le zozo. Et l'artie non plus pour le coup. Et elle vient de tirer encore. Donc je leur demande où est l'artie, je ne sais pas. Je fais bounce 1700, très bien, ils ont tué l'EBR, ça c'est tout bon les gars, bien joué. Est-ce qu'on va tomber nez à nez sur l'artie, ça se peut. Ça se peut, ça se peut, là je la vois pas. Je la vois pas, je ne la vois pas. La lolotte. Est-ce qu'elle est là-bas qui disent? Très bien, je devrais tomber dessus. Du coup. Est-ce qu'elle est là-bas? Non, je la vois pas, les gars. Je ne la vois pas. Bon. Qu'est-ce qu'il fait le VZ là? Est-ce qu'ils y arrivent sur le VZ? Il va chercher l'artie aussi, Ludes. Le VZ, il a back peut-être? Non, il était là il n'y a pas si longtemps. Bon, l'artie, est-ce que Ludes va la voir? Je n'en sais trop rien. Le VZ, à mon avis, il est toujours là-bas dans son trou. Ah, là voilà. Là voilà, là voilà. Voilà, ça c'est fait, parfait. C'est plus à faire, ça me fait 4 kills, 6500 dégâts, c'est assez propre, dommage, pas beaucoup d'assists malheureusement. Du coup, ça va être compliqué d'avoir la Master. Ça manque un peu d'assists, mais les dégâts sont corrects. Master à la troisième game, ce serait propre quand même, autant j'ai un peu merdé, surtout la deuxième, là. La première encore, ça allait encore à moitié, 2500, quelque chose comme ça, ils ont eu le VZ. GG les gars, on a bien taffé là pour le coup. La team, les restants, là, les survivors de la team. J'espère que ça vous a plu. Si vous pouvez liker, moi ça m'a plu, clairement, c'était une belle partie. 6500 dégâts. Est-ce que j'ai la master? Non, classe 1, malheureusement, classe 1. Ah, dommage, dommage. J'y ai cru là. Ça, je vais pas en faire tous les jours, à mon avis, des parties pareilles. Sait-on jamais. J'ai même les félicitations de Wargaming. Merci Wargaming, je suis touché. Blablabla, démission, ok. Top XP, top dégâts, ça c'est propre. Gros calibre, je crois que j'ai eu. Et je suis quand même bénéficiaire. Ouais, j'ai tiré full AP. Ça va, il coûte pas cher en munitions. Intéressant. Il coûte rien du tout, c'est possible ça. J'ai tiré quand même beaucoup d'AP. Il m'a rien coûté. J'en avais en réserve. Ah, j'avais peut-être encore des réserves. Au départ, il était full AP. Combien il coûte? 1215. Ah, ouais, non. Ben, ouais, j'avais sûrement des réserves d'AP. Qu'est-ce que ça dit? Je ne sais pas. Je sais pas si on voit dans le dépôt 0. Là, j'en ai plus par contre. Puisque j'avais changé un peu les configs, j'avais rajouté des golds. Donc peut-être qu'il lui restait des réserves d'AP. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Là-dessus, je vous dis, on regarde quand même ça, ce que c'est. Maîtriser l'art d'infliger des dégâts à coche char lourd. Utiliser mon coupon, on verra ça. Mais je pense pas. J'ai dépensé assez là tout de suite pour l'instant. Voilà, on se retrouve cet après-midi sûrement pour d'autres batailles avec ce petit jouet assez sympathique, ma foi. Si on regarde les stats du jour, 9286 de cote, ça c'est propre. 3 victoires, 3000 dégâts. C'est propre malgré tout. Je ne sais plus ce qu'on a fait comme partie. Ah oui, 7-5-2. On l'avait gagné apparemment. On va aller voir les résultats quand même. Ah non, on l'avait perdu. Donc j'ai tout gagné avec le BZ 72A. J'ai gagné 30 oblique 2000 dégâts. Oui, c'était propre quand même. Top XP. Et 5e au dégâts. Bon, c'était pas dégueu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, tout le monde, pour d'autres aventures. La dernière game, franchement, je me suis bien éclaté. Voilà. À plus, tout le monde. Ciao.